Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous commencez votre journée de très belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la lecture quotidienne du vendredi 31 janvier 2020. Et oui, déjà la dernière journée de ce mois-ci, du premier mois de l'année. Alors comme ça passe vite. Donc, comme à l'habitude, les vendredis, je vais vous faire trois petites lectures de trois pensées, trois courtes pensées sur lesquelles vous pouvez méditer ce week-end. Donc, je vais vous donner trois lectures, une pour chaque journée. Mais vous pouvez méditer sur ces pensées-là comme vous le voulez, tout à la fois, une journée à la fois, comme bon vous semble en fait. Mais c'est simplement pour vous donner un peu de matière parce que je sais que plusieurs d'entre vous aimez avoir des sujets de méditation, vous pratiquez la méditation ou vous commencez à pratiquer la méditation et pour vous aider à y arriver, bien, vous aimez avoir quelques sujets de méditation tout simplement. Alors pendant le week-end, je vous donne quelques lectures, quelques sujets de méditation à faire. Alors, on commence avec celle d'aujourd'hui. Je ne vais pas élaborer vraiment beaucoup les lectures. Hein. Je vous laisse le soin de le faire parce que ça aussi, ça fait partie d'un processus. On veut apprendre, en fait, à développer notre intuition, à développer notre... comment je pourrais dire? Notre lien, justement, à la méditation. On veut développer notre capacité de réflexion aussi. Alors, parfois, j'élabore un peu sur les sujets, mais pour ceux du week-end, je vous laisse le soin de le faire. Alors, on y va tout de suite avec la première pensée. Donc, elle s'intitule, pour vendredi aujourd'hui, « Cacher derrière l'échec ». Derrière chaque non se cache un oui. Derrière chaque échec se dissimule une victoire. Nous pouvons apprendre beaucoup plus de nos échecs que de nos succès, car derrière l'échec se trouve tout ce que nous n'avons pas compris, tout ce que nous n'avons pas voulu accepter, tout ce que nous ne voulions pas voir ou entendre. Lorsque j'accueille l'échec et que je suis disposée à entendre les secrets qu'il cherche à me livrer, je suis ouvert à la croissance et à l'apprentissage. Aujourd'hui, je sais que l'échec est éventuellement une plus grande victoire. L'échec me rappelle à l'ordre et me pousse plus loin. Devant l'échec, je deviens curieux et non défait. Alors ça, c'est vraiment une belle pensée, hein? Devenir curieux et non défait devant l'échec. Réfléchissez à ça. Méditez sur ces belles paroles. La lecture qui correspond à samedi, 1er février. Alors, elle s'intitule « Le pouvoir de la vérité ». Krishnamurti, a écrit cette petite phrase. « Aussi longtemps qu'il y aura une distinction entre ce qui devrait être et ce qui est, les conflits surviendront systématiquement et toute source de conflit est un gaspillage d'énergie. » Alors, aussi longtemps qu'il y aura une distinction entre ce qui devrait être et ce qui est, les conflits surviendront systématiquement. Il existe une valeur sûre dans cet univers, le pouvoir de la vérité. La vérité cherche constamment à se manifester. Elle existe dans tout ce qui nous entoure. Graduellement, j'apprends à la déceler, que ce soit dans mes relations ou en ce qui me concerne personnellement. Je place la vérité au premier rang de mes valeurs. De cette manière, je sais que vérité est synonyme de liberté. En étant vrai, je suis libre. Aujourd'hui, je fais de la vérité ma priorité. Je vois les choses telles qu'elles sont et je fais face à la vérité. Je suis honnête envers moi-même et les autres et j'en suis fière. Alors, une belle pensée sur la vérité. Méditer sur le fait de
disons, sur le lien entre la vérité et la liberté. Et le fait d'être honnête avec soi-même et envers les autres, c'est faire preuve d'authenticité aussi. Une belle, beau sujet de méditation. Et finalement, la troisième pensée pour le dimanche 2 février 2020, ça s'intitule « Regarder les choses en face ». J'ai compris que je devais apprendre à regarder les choses en face. Je pars avec l'intention d'affronter les difficultés, de résoudre les problèmes et de voir clairement. En voyant les choses clairement, je peux agir logiquement jusqu'à l'aboutissement souhaité d'une situation. En confrontant les obstacles directement, je deviens plus fort et moins dépendant de mon environnement et des diverses situations de la vie. Les craintes et les peurs du passé s'évanouissent devant la réalité. Regarder les choses en face me permet de faire le point afin de prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, je ne cherche pas à m'obstiner ou à m'imposer, mais simplement à voir les choses telles qu'elles sont. Comme la noirceur ne résiste pas à la lumière, la vérité fait fondre le mensonge et la déception. Alors voilà nos belles pensées pour ce week-end, ce sur quoi vous pouvez méditer ce week-end. J'ai quand même un autre petit sujet peut-être de méditation avec nos cartes d'aujourd'hui, un petit tirage. Qu'est-ce que les cartes ont bien voulu nous livrer comme message aujourd'hui pour ce week-end? Alors, je retourne d'abord la première carte avec l'oracle du grand pouvoir divin. Et c'est la carte, dernièrement on a eu l'élément feu, aujourd'hui on a l'élément air. Alors cette carte-là nous dit « Retrouvez votre équilibre en acceptant avec optimisme les changements dans votre vie. » Alors la question à se poser, mes chers amis, peut-être pendant le week-end, est-ce que vous êtes résistant au changement? Qu'est-ce que ça implique pour vous dans votre vie lorsqu'il y a des changements qui surviennent? Des changements de toutes sortes. Hein? Réfléchissez à votre résistance au changement et pourquoi cette résistance. Nous, les humains, c'est sûr qu'on recherche toujours le confort. On recherche toujours à se protéger et à rester dans notre zone de confort. Mais est-ce qu'on peut se poser la question sur le fait que les changements qui surviennent dans notre vie, ça pourrait peut-être parfois être bénéfique pour nous. Justement, pour ne serait-ce que pour agrandir cette zone de confort. Hein. On a souvent tendance à dire sortir de notre zone de confort, mais je pense que c'est beaucoup moins épeurant quand on dit élargir notre zone de confort. Ça ne fait qu'ouvrir d'autres horizons, tout simplement, au lieu de donner l'impression qu'on est en train de sauter dans un précipice. Alors, l'élément air qui vient nous rappeler hein, de pouvoir trouver... On voit ici comme un ange... qui est assis dans l'herbe en position de méditation et qui nous inspire en fait, qui nous invite à retrouver notre équilibre en acceptant justement les changements dans notre vie, mais avec optimisme. Pourquoi avec optimisme? Parce que premièrement, ça nous permet de les accepter davantage et ça nous permet aussi d'affronter ces changements-là de meilleure façon. Ça nous permet aussi de répondre à une certaine curiosité. Ça nous permet d'agrandir justement cette zone de confort. Ça nous permet de trouver des moyens auxquels on n'aurait pas pensé auparavant pour surmonter les difficultés qui arrivent avec les changements. Alors, toujours rester optimiste face au changement parce que ça peut nous emmener à des endroits où on n'aurait jamais cru se rendre. Alors, je vais retourner les cartes pour voir qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cet élément air. OK, d'abord, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle, hein, entre autres, de grandes souffrances, de crises émotionnelles, de douleurs, de peines. Alors, avec ce qu'on vient de nous dire ici, j'ai l'impression que
Juste, on parle des changements. Alors, pour certains, vous allez... on a tous vécu des peines, on a tous vécu des chagrins, des crises émotionnelles dans notre vie. Et nécessairement, quand on vit ces choses-là, il y a des changements, bien souvent, qui... souvent, cette peine ou ces crises émotionnelles sont dues justement à des changements. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin qu'est-ce qu'on veut nous dire. Alors, voyez-vous, ici, j'ai le 9 de denier. Pour moi, ces deux cartes-là, ce qu'elles veulent nous dire, entre autres, pour certains d'entre vous, hein, c'est peut-être que certains sont en train de faire face au changement de statut, j'allais dire social, mais au niveau matrimonial ou bien relationnel. Alors, pour certains qui auront vécu une rupture ou une grande crise émotionnelle à l'intérieur du couple et qui se retrouvent seuls, comment on peut appliquer ce que la carte de l'air nous dit? D'accepter avec optimisme les changements. Donc, si on change de statut, si on devient célibataire, par exemple, c'est ce que moi je vois ici pour certains d'entre vous, bien, c'est certain qu'on peut vivre de grandes crises, on peut vivre beaucoup de chagrin, beaucoup de douleur, mais quand on est sorti de ce deuil, ou quand on est en train de sortir de ce deuil, comment on devrait prendre les choses? C'est avec optimisme, de se rendre compte que peut-être que c'est un mal pour un bien, dans le sens où on retrouve une certaine forme de liberté, on se retrouve seul face à soi-même, et c'est peut-être ce dont on a besoin en ce moment pour se découvrir, pour se connaître, pour aller chercher quelque chose de meilleur par la suite. Alors, l'optimisme qu'on peut pratiquer ici, c'est de sauter sur l'occasion, en fait, de justement apprivoiser notre solitude, se refaire une santé émotionnelle, physique et spirituelle, accepter de vivre seul un certain temps, accepter sa solitude, pour qu'en fait, on puisse devenir plus fort et être en mesure de mieux, comment je pourrais dire, vivre nos prochaines relations de façon beaucoup plus saine, parce qu'on aura appris à se connaître soi. Alors, pour moi, c'est un peu ce que ça vient nous dire. Mais ici, je suis en train de vous parler de rupture et de solitude et de célibat, mais ça peut aussi toucher n'importe quel changement. Hein. Vous appliquez le tirage à votre réalité, mais ça peut toucher n'importe quel genre de changement dans votre vie. Ça peut être un changement professionnel, un changement, peu importe, de situation avec vos enfants, peu importe. Alors, c'est un exemple ici qu'on nous donne parce que j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous, peut-être, sont en train de vivre cette situation. Les deux prochaines cartes, on nous parle de la force et le magicien. Alors, le fait d'avoir vécu de grandes crises émotionnelles, d'avoir réussi à surmonter cette peine, cette douleur, ce sentiment d'abandon, d'avoir réussi à apprivoiser notre solitude, notre liberté aussi, ça nous rend plus forts. On est capable de maintenant affronter la vie de façon justement optimiste, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en l'avenir et de maîtriser certaines choses en soi. Souvent, quand on vit de grandes crises comme ça, c'est qu'on manque de confiance, on manque de maîtrise de soi aussi pour certaines personnes. Alors, la force vient nous dire ici, tu es capable de réussir par toi-même, tu es capable de faire ton chemin dans la vie, tu es capable de te retrouver face à toi-même, tu es capable d'affronter la vie. Toute seule pour un certain temps et ensuite, avec la confiance que tu auras acquise, tu pourras traverser ta vie peut-être avec quelqu'un d'autre, mais au moins tu auras pris confiance en toi et tu auras changé, tu seras une nouvelle personne avec beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus de maîtrise de soi.
Et à partir de ce moment-là, avec toute cette force, cette puissance intérieure que tu auras découvert en toi, tu pourras maintenant, à partir de maintenant, avec la carte du magicien, manifester tout ce que tu désires, tout ce que tu veux voir accomplir dans ta vie ou se réaliser dans ta vie, tu auras la force de le réaliser. Et tu auras tous les éléments, non seulement l'élément air, mais tous les autres éléments et les outils nécessaires pour le faire maintenant, parce que tu auras traversé quelque chose qui t'aura fait grandir ici. Voilà. Alors, plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre t'apporte le bonheur, bien, tu peux aller toi-même le chercher et faire de ta vie ce que tu désires. Tu peux manifester ce que tu désires. Mais ce qui est important, c'est qu'après cette crise émotionnelle, qu'après le dépassement de soi, la confiance en soi acquise, maintenant, ce qu'il faut, c'est de passer à l'action, de prendre ta vie en main et de te renouveler et de continuer ton chemin. Voilà. C'est ce que les cartes veulent nous dire ici. Donc, c'est comme ça qu'on peut rechercher notre équilibre en étant optimiste, face au changement. J'ai pigé une carte aussi de l'oracle, du tarot oracle plutôt, Umrazai, qui peut nous aider à comprendre un petit peu mieux. Alors, c'est une belle carte, c'est la carte bénédiction. Elle vous dit « C'est une bénédiction pour la terre, le ciel et pour moi d'être l'homme ou la femme que je suis. » Et cette carte-là, dans le tarot traditionnel, elle correspond à la carte du pape. La carte du pape qui nous parle d'enseignement, qui nous parle de guidance, qui nous parle de voix intérieure aussi. Sachez que peu importe ce que vous vivez dans votre vie, vous n'êtes jamais seul. Vous avez toujours la possibilité d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin, mais surtout de vous faire confiance et d'écouter votre propre voix intérieure, d'aller puiser en vous cette force et cette voix intérieure qui est là pour vous guider, pour guider vos pas. Alors, vous avez reçu... Peut-être que cette situation-là, c'est une bénédiction, en fait, pour vous, comme la carte le suggère ici. D'accord? Alors, de voir les situations qu'on est en train de vivre, même si sur le moment, c'est compliqué, c'est difficile, peut-être que c'est une bénédiction pour votre bien-être, pour votre croissance personnelle également. Mais toujours vous faire confiance, écouter votre voix intérieure, puiser la force intérieure en vous, reprendre votre pouvoir personnel et surtout suivre votre intuition. D'accord? Alors, une bénédiction suivie aussi, agrémentée, disons, de cette voix intérieure qui nous guide toujours. Si, bien sûr, on lui fait de la place, si, bien sûr, on l'écoute. Et finalement, pour teinter notre week-end, j'ai pigé une carte du Self-Coaching Kit de l'oracle de Wasima. Et qu'est-ce que cette carte veut nous dire aujourd'hui? Elle nous dit aujourd'hui, je choisis de dire ma vérité, sans gêne et sans culpabilité. Alors, ça nous rapporte un petit peu à une de nos lectures, hein, de choisir une de nos lectures. C'était le titre, si vous vous rappelez bien, pour ce week-end. C'était le pouvoir de la vérité. Hein, la lecture pour samedi. Alors, je choisis de dire ma vérité sans gêne et sans culpabilité, d'être authentique envers soi-même, d'être authentique envers les autres aussi. Ça nous libère, ça nous rend plus libres. La vérité libère, en fait. Alors, c'est ce qu'on veut vous dire de méditer sur ces paroles-là, de méditer sur le fait de vouloir être authentique. Alors, voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour ce week-end. Alors, juste peut-être pour vous lire l'élément air ici, je vais vous lire ce que le carnet en dit pour que vous puissiez méditer sur l'élément air aussi. Ça peut peut-être vous aider par rapport au tirage. Alors, quand votre énergie air est équilibrée, vous êtes optimiste, centré et rempli d'espoir. Vous êtes réceptif et accueillez avec joie les changements dans votre vie.
Vous êtes flexible dans vos mouvements et dans vos idées et avancez avec confiance. Par contre, si cette énergie est déséquilibrée, l'anxiété prend le dessus. Sentant comme une menace, vous devenez sur la défensive et vos convictions deviennent inflexibles et rigides face au changement. Vous ne savez plus ce que vous voulez. Vous êtes centré sur vous-même et n'acceptez pas les conseils. Vous êtes déconnecté de l'extérieur et votre vie est déséquilibrée, voire même chaotique. L'air correspond au chakra du cœur. Pour équilibrer votre élément air, demandez le rayon violet pour augmenter votre confiance en l'avenir, le rayon blanc pour la paix intérieure et l'espoir, et le rayon vert pour faire circuler votre énergie. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à notre tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager aussi, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et d'ici lundi prochain, bien, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de vos beaux commentaires. Encore une fois, malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas le temps de répondre à tous, bien sûr. Mais sachez que je vous lis, que j'apprécie vos commentaires aussi. Et que vraiment, ça me réconforte de voir vos commentaires, même si je n'ai pas beaucoup de temps pour répondre. Je pense à vous très fort et je vous remercie de votre présence. Alors, merci encore une fois d'être présent. Merci de votre habituelle écoute et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Au revoir.